putain. Ouais, ouais, on vous entend. Allez sur les côtés, les services. Oui, on vous entend. On l'entend, on l'entend. Chers citoyens des eaux, je me présente. Je suis le capitaine Aka. Et c'est le cœur rempli d'inquiétude que je vous adresse ce discours. V, la route de Grand Line est une proie à une vague de piraterie sans pareil. Les pirates nous envahissent chaque jour, bonnet de merde. Ah, les combats font rage sur les îles du Nouveau Monde. Aujourd'hui, toujours les plus victimes. Il y en a certains d'entre vous ici qui ne connaissent pas Grand Line, qui ne connaissent que Estu Blue, qui ne connaissent que ses mères. C'est pour cela que je vais vous dire là. Faut bien écouter. Malgré la peur de quelques pirates notoires, Estu Blue est municipal. On peut être épargné par la dangerosité et la cruauté des pirates les plus redoutables des quatre mers. Ah, mais aujourd'hui, quelque chose de terrible s'est produit. On va couper décalé. On comprend rien. Excusez-moi. Vous m'entendez mieux là? Non. Étape cassée. Il y a des petits problèmes de voix, en fait. On vous entendait bien, mais. Voilà quoi. Bien. J'ai un petit bien dans la gorge si vous voulez. Bien. Et là, vous m'entendez. Vous m'entendez mieux comme ça, je pense. Oui, non, oui. Non, vous gagnez toujours, mais si on vous entend mieux. Parfois, votre voix, ça, c'est pas ce que je veux dire. Arrêtez de pousser. Mais attendez, le micro. Donnez-moi le micro, bordel de merde. Fonctionnez celui-là, Marine. Poussez le micro. On vous entend pas. Je trouve qu'il. Il a beaucoup de glace, ce monsieur. Bien. Comme je vous ai dit, il y a un équipage qui a mis les mers, qui a mis les pieds sur ses mers, Estu Blue. C'est un équipage de Grand Line. L'équipage du pirate de Cornu, mené par le capitaine Torito, prime à 30 millions. Il a fait son équipe à Europe et pris en otage la plupart des habitants de l'île. Vous comprenez? C'est quelque chose d'assez embêtant. Il s'agit d'un équipage redoutable, d'un tout autre calibre que ce présent sous les mains de Stublot. Je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire ici, mais j'ai eu des échos comme quoi ils cherchaient un trésor qui permet d'aller sur une île remplie de trésors. Je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête, je ne sais pas ce qu'ils disent, je ne sais pas de qui ils parlent, mais on va essayer d'en savoir plus. Sachez une chose. Si vous foutez à eux, dites-moi à Europe. La marine ne pourrait rien y faire. En tout cas pour l'instant, ce sera une zone de mort que vous pourrez mourir à tout instant. Donc faites attention quand vous y mettez les pieds. Et faites attention si vous foutez à eux, vous comprenez? Ne soyez pas cons. Vous comprenez? Je vous entends pas, vous comprenez? Oui, oui. Mais c'est avec grand plaisir. J'ai aussi quelque chose d'autre à vous montrer. J'ai reçu de la part de mon amiral en chef. Un Pardon. Une sorte de fruit. Un fruit? C'est quoi un fruit? C'est toi, laissez bon écoute le cocktail. Laissez-le parler. Une mouka, j'aime bien les nectarines. On se tait immédiatement. Écoutez, bordel de merde. J'ai appris que dans ces mers, il y a des fruits. Existe des fruits qui faisaient appartenir une sorte de pouvoir étrange, une sorte de possession. Moi-même, je ne sais pas, encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais le manger devant vous. Manger le fruit? Mais retenez une chose. S'il m'arrive quoi que ce soit, écoutez. Vous me tuez, c'est compris. Si je deviens incontrôlable, vous me tuez, c'est compris. Je vais mettre le capitaine. Tu cotes le copain. Bien.
Je vais vous dire quelque chose. Celui qui trouve des fruits, attends, ne le mangez pas. Venez me le voir, je vous donnerai une bonne récompense. Beaucoup d'argent, beaucoup de berries. Vous comprenez? Oui. Combien? Combien pour un de tes fruits, Capu? Combien? Un million de berries. Un million. Bien mauvais. Trésor, vous voulez dire? Oui, j'entends. Arrêtez-vous, ce n'est qu'un fruit, mon Dieu. C'est un trésor, cela vaut plus. C'est ma chef, le capitaine. C'est qu'il doit vraiment chercher qui? Ce poteau, tu parles de chocop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 
Regarde, mais... Allez, j'entends pas de tir, j'en ai rien à foutre. Casse, hein. Allez, bonne journée. Ah, la pro m'a mis enfermé dehors, frère. Moi, je reste là, je vais pas... Je suis désolé, mais vu la gueule du truc... Oui, je comprends, moi aussi j'ai peur. Ça a l'air de s'être calmé, on va retourner voir. Les autres vont être égoïstes. C'est pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bagarre, regarde, ils visent. Et tu penses que l'équipage à sirop, ils acheteraient les bêtes? Tu penses ouais, ou pas? Ouais, l'acheter, hein, pour se défendre, hein. Ouais, peut-être, hein.